Aujourd'hui, dédicace spéciale Christian pour lui montrer comment j'ai adapté mes phares là sur le vélo. Donc ce que je te disais, hein, c'est que j'utilise les connecteurs XT60 là, hein, qui sont bien pratiques parce que on peut tirer dessus, ils sont super costauds, ça fait passer une tonne de courant. Pour fixer sur le vélo, j'utilise ces trucs là. Machin de PVC là qu'on utilise aussi pour la plomberie, l'évacuation. Donc toi ça fait 29, donc c'est pour les tuyaux de 30. Ça se trouve facilement et ça permet en fait de fixer directement le truc sur le guidon comme ça. Voilà, bien pratique. Donc ensuite t'as pris les mêmes accus que moi, d'accord? On les fout dans un tube de PVC comme ça. Il fait lui un diamètre 25, hein, on va pas pleurnicher, hein, il met 24,6, mais en gros voilà, 25 quoi, on passe bien. Le secret c'est d'avoir un système avec un ressort dedans. Donc là j'ai soudé à l'étain un ressort sur une pièce de 5 centimes d'euros. Coûte pas trop cher. J'ai mis un truc à la fin, hein, c'est avec un téton, c'est pour que ça appuie. Je suis sûr que ça fasse contact avec le, comment dire, la batterie. Voilà. On met ça comme ça, puis ensuite on met les batteries par-dessus. Voilà. Et puis on revisse. Hop. Comme ça. Et ici alors le mâle c'est la batterie, femelle c'est les phares, et on branche comme ça dessus. Voilà. Alors pour fixer sur le vélo, à la place du port bidon là j'ai mis les supports de tube, donc ça vient se greffer comme ça. Voilà, tout bêtement ça tient très bien. Et là ensuite bah, il suffit de brancher la batterie et le phare et c'est magique. GoPro, arrêtez vidéo. Alors moi ce que j'ai branché en fait c'est ça. J'en ai un grand rond et puis j'ai mon vieux module que j'avais fait faire par un copain là, il y a une dizaine d'années. Lui il crache à peu près 1000 lumens, c'est lui ça doit pas être loin. Alors celui du milieu il crache de la lumière pinceau lumineux, donc il éclaire assez loin, et celui du bas là le gros c'est tout l'inverse en fait, lui il éclaire pas loin du tout mais il éclaire très très large. Donc nous voilà en pleine nuit, alors j'ai ma petite frontale là qui éclaire un peu et on va donc brancher tout ce bazar là. Alors attendez, je vais remettre ça comme ça, voir ce que ça donne. Attention, toc, c'est parti et voilà, donc l'éclairage complet, donc le un éclairage qui éclaire loin, un éclairage qui éclaire près. Donc je peux m'amuser en enlever un pour vous montrer. Tac. Ici j'ai plus. Là j'ai plus celui qui éclaire loin. D'accord. Et là j'ai plus celui qui éclaire près. Voilà. En fait l'intérêt c'est de voir quand on tourne là où on va et de voir loin lorsqu'on est en ligne droite. C'est un peu ça le concept. Ça marche plutôt pas mal. Donc avec cet ensemble là qui doit cracher pas loin de 2000 lumens, je pense que je tiens 1h20 à peu près, hein, c'est dans les tests que j'ai déjà fait. Donc pour une sortie le soir, il me faut deux jeux de batterie. Voilà, GoPro, arrêtez vidéo. What are you waiting for? Christmas?